Bienvenue dans les mystérieux de Caroline, conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place, je vais vous lire Les Fauves de Cléopâtre de Marc Lévy et Karine Indé. Vous saviez que Cléopâtre avait un lion apprivoisé chez elle ? Mais j'ai entendu dire que c'était un tigre. Mais c'est très dangereux, les lions et les tigres. Et si nous allions voir ? Magicalibri, Magicalibra, à nous les fauves de Cléopâtre. Où sommes-nous ? Demande Yoko. En Égypte, il y a plus de 2000 ans. « Je me souviens d'avoir vu cette tour dans un livre, » répond Mehdi. « C'est le phare d'Alexandrie, » explique Cléa, « l'une des 7 merveilles du monde. Haut comme il est, sa lumière doit être visible à des kilomètres à la ronde. »« Drôle de phare, » soupire Georges, « rien à voir avec ceux de la voiture de mon père. » « C'est étrange, » s'étonne Cléa, « cet endroit est désert. »« Pas si désert que ça, regardez !» « Que faites-vous là ?» demande un garde d'une voix autoritaire. « Nous menons une enquête, » répond Yoko sans réfléchir. « Vous ne devriez pas être ici, une tempête se lève. »« Peut-être pourriez-vous nous renseigner. Est-ce que la princesse Cléopâtre possède un lion apprivoisé ?» demande Georges en ignorant l'avertissement du soldat. « Cléopâtre n'est pas une princesse, mais la reine d'Égypte, » répond le garde. « Savez-vous où nous pourrions la rencontrer ?» questionne Yoko. Elle rentrera bientôt à Alexandrie. C'est sa flotte que vous voyez au loin. À condition que la mer le permette, l'orage semble se rapprocher, s'inquiète Mehdi. Rassurez-vous, le phare guide les navires de nuit comme par mauvais temps. Soudain, une rafale de vent souffle sur la ville, si violente que nos amis doivent se retenir les uns aux autres. Regardez ! Crie Georges en levant la tête. « Le vent a éteint le phare !»« C'est une catastrophe !» s'exclame le garde. « Sans sa lumière, les bateaux risquent de se briser sur les rochers !» Nos 4 amis et le garde se réfugient au pied du phare. « Il faut que nous fassions quelque chose pour sauver Cléopâtre !» crie Cléa dans le vent. « J'ai une idée !» répond Mehdi. « Suivez-moi à l'intérieur et soyez prudents !» Mehdi demande au garde de s'emparer d'un flambeau. « Grimpons jusqu'au sommet » dit-il. Cléa, Georges et Yoko ont compris ce que leur ami a en tête. Monter jusqu'à la lanterne n'est pas une mince affaire, et il leur faut bien du courage pour arriver au bout de cet escalier. Sur ordre de Mehdi, le garde agite le flambeau. « Tu crois que ça va marcher ?» s'inquiète Cléa. « Il le faut !» répondent les autres en cœur. « Regardez !» s'écrie le commandant. « On dirait que le phare a été rallumé. Sa lumière est moins forte, mais elle devrait nous suffire pour rentrer sains et saufs. » « Des esprits inventifs ont dû grimper au sommet pour nous venir en aide, » dit la reine. De retour au port, Cléopâtre souhaite rencontrer ceux qui lui ont sauvé la vie. Les enfants sont très intimidés. « Vous avez fait preuve de courage et d'ingéniosité. » Grâce à vous, toute ma flotte a pu regagner Alexandrie. « Comment puis-je vous remercier ?» demande Cléopâtre. « En répondant à une question ?» pose timidement Mehdi. « Avez-vous un lion, un tigre ou une panthère apprivoisée ?» Cléopâtre éclate de rire. « Les animaux sauvages ne s'apprivoisent pas, mais suivez-moi » dit-elle en se levant. Ils traversent la grande salle du palais jusqu'aux appartements privés de la reine. « C'est magnifique !» s'exclame Cléa. « Les peintures sont aussi belles qu'à Versailles !» enchaîne Mehdi. « Qu'est-ce que Versailles ?» demande Cléopâtre étonnée. « Un palais lointain !» répond vite Yoko en faisant les gros yeux à Mehdi. « Les voici, mes seuls fauves apprivoisés. Je vous présente Ankhti, Chabaka, Daguette, Gebou et Dionout. » Chabaka vient se frotter aux chevilles de Yoko en ronronnant. « Voilà l'explication de la légende !» s'exclame Mehdi.
Quelle légende ? Demande Cléopâtre. Ce serait une longue histoire, répond aussitôt Georges, soucieux de ne pas trahir le secret de leur voyage. Et nous devons bientôt rentrer chez nous. Mais avant qu'ils ne partent, Cléopâtre offre un cadeau à ses nouveaux amis pour les remercier de lui être venus en aide. Voici un jeu que les enfants d'Alexandrie apprécient beaucoup, dit-elle. On dirait un jeu de dames, s'exclame Yoko. Ici, nous l'appelons le Sénette. C'est très amusant. Merci, disent nos amis en chœur en saluant la reine d'Égypte. Médiclé à Yoko et Georges, joignent leurs mains et prononcent la formule magique. Magicalibri, magicalibra, à nous le présent. Le tourbillon d'étoiles les emporte. Yoko range le Sénette que Cléopâtre leur a offert. Mission accomplie. Et voilà un beau souvenir qui nous rappellera ce voyage.